Salut tous les amis et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, voilà, comme je vous dis c'est la reprise des vidéos. Et aujourd'hui là je fais ça, j'aimerais vous faire une petite danse aujourd'hui. C'est quoi comme voiture? Alors je crois que c'est la Wagner, hein, parce que moi j'ai la Wagner directement. On se retrouve pour une course Air de Race, donc c'est des Air de Race tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et tout simplement voilà, c'est clairement la reprise. Alors le world record, la salle c'est 1 minute 13, donc le record du monde c'est 1 minute 13. Je vous mettrai le lien de la Air de Race en description, il y en aura plusieurs. Je vous mettrai parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire ouais c'est con que tu mets la Air de Race. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche et la salle. Je tiens à dire également que vous avez le lien de la boutique pour acheter des produits Team La Salle. En tout cas let's go, regardez, j'ai juste appuyé sur un seul bouton et là c'est magnifique, c'est la technologie, c'est beau à voir, c'est logique. Voilà, c'est technologique. Ça fait longtemps qu'on a fait d'Air de Race. Ouh là par contre t'as un aileron toi. Donc j'ai peur. Ça passera pas. Non, après je sais pas, je l'ai pas testé la course, je peux pas te dire si. J'aime bien moi, tu sais, être surpris, tu vois. Ok. Bon, donc là, je vois que monsieur a pris le départ boost. Chose que je n'ai pas faite. Wouah, la Wagner. Elle va vite. Elle va vite, c'est vrai que ça fait longtemps aussi qu'on a. Ah ouais, t'es chaud toi, t'es confiant. Bah, elle va vite, hein. Ok, 1 minute 13 de la salle, le record du monde. Donc je sais pas si on pourra le battre, mais... Non, non, mais non. Déjà, il faut connaître la course, ouais, tu vois. Ah bah voilà. 1 minute 13, et ouais, c'est vrai que... Bon, ouais, écoute, moi, je prends... un maximum de precaution. Ok. Ouais, ouais, je suis déjà à 39 secondes. Et c'est une course qui est autour du casino. Attends. What the fuck? Ok, c'est bon. Ça va commencer la salle. Ah oui. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est dans le casino, quoi. Moi, je me suis complètement fail. Hein. 1 minute 13, le record du monde. Mais wesh, mais comment elle a fait? Je suis à 1:16. C'est pas possible, 1 minute 13, hein. Là j'ai fait une 20 et quelques la salle. Donc pour l'instant on va dire que c'est pas fameux quoi. Bah déjà je pense que c'est au deuxième tour déjà, pas au premier. Non, j'ai dérapé. Ah j'ai perdu du temps. Bon je connais un peu plus la course donc il y a peut-être moyen que je ne batte le record, mais là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai dérapé les gars, et donc dérapé c'est mal. Et ça va me faire perdre du temps. Ça va me faire perdre du temps. D'ailleurs, la salle, est-ce que tu joues à GTA quand. Bah voilà quoi. Pas du tout. Non, j'étais plus dans les vapes que. C'était en mode. Tu joues en... je sais que tu joues à Call of, je t'ai voyé des fois. Non, mais je jouais à rien. J'étais en mode zombie. J'étais un zombie. Enfin, je veux dire, tu jouais, mais t'étais. Voilà, t'es. Parce que je me disais bien, il y avait un nouveau zombie. Là, ils ont mis un nouveau zombie sur. Sur Call of. Bon, allez, la salle, on essaie de battre leur corps. 1:16. 1:13, pardon. Oh, ça va être tendu. Ok. Pour l'instant, on a 1:08. Je pense qu'il y a moyen de battre quand même le petit record de 1:26 que j'ai fait juste avant. Ouais. Peut-être moyen. Ok, et bah écoute, je crois que j'ai fait un meilleur tour que le tour précédent, la salle. Mais du coup, malheureusement, nous ne sommes pas clairement allés manger, quoi, la salle, je dis, hop là. Et bien écoute, la salle, je crois que c'est un perfect pour toi aussi. Bien joué, et on se retrouve, les gars. Et bien évidemment, tout de suite pour la deuxième course. A tout de suite, let's go. Et du coup les gars, let's go, c'est parti pour la deuxième course de cette vidéo magnifique, Air de Race. Et cette fois-ci, on va être dans un level un peu plus élevé, parce que ce qu'on a vu avant, c'était une petite Air de Race autour du casino, on n'avait jamais fait, je voulais tester, c'était sympathique, mais bon, c'était une petite course de bébé. Là, cette fois-ci, la salle, on est dans des créateurs un peu plus pro, quoi, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu ouais. Plus... Rick and Barrens, waouh, ouais, j'ai... on a fait la même chose, j'ai réussi à bien gérer le truc, mais... J'ai dérapé. Donc là, on est dans une course Air de Race encore une fois. Sauf que là. Oula. Sauf que là, le gars, il est vraiment Weekend Marines. Oula, par contre.
Donc là, ces airs de race, on touche pas. Non. Ah, pour l'instant, moi, je touche pas. Ouh la vache. Ah oui, c'est stylé. On l'a jamais fait de celle-là, on est d'accord. Hein. Ah bah, voilà. Ah bah, j'ai pas touché. Allez. Pour l'instant, moi, je suis bien. Ah, mais t'as pas de chance, clairement, la salle. Tu sais que ça me fait rien. Non, non, non. Je sens que ça va me fail, là. Non, non. Oh, ah ouais, mais c'est stylé. Je sais que t'as la salle, t'aimerais bien avoir la sensation où, genre, c'est parfait. Ouais, ouais. Mais là, je peux dire que j'ai la sensation et je l'ai et c'est parfait. Ah ouais, c'est trop stylé. Je touche pas ma manette, les gars. Bon, là, je vais être obligé de la toucher, voilà. Mais regardez, je touche vraiment pas. Bah, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après dans la deuxième, dans le deuxième tour. Ah ouais, c'est déjà fini, je crois. Ok, bon, on en fera une troisième, du coup, mais... c'est vrai que c'était rapide comme l'éclair, quoi, j'ai envie de dire, la salle. Comme ? Comme l'éclair. Ah oui, comme Buzz, l'éclair. Ouais, je veux dire, parce que bon, les éclairs, c'est bon. D'ailleurs, ton dessert préféré, la salle, ça reste toujours le flan coco ou ça a évolué depuis ? Pour l'instant, ouais. Tiramisu, non ? Bah, ouais. Merde. Ouais, les deux. Un mélange des deux, tiens, ça doit être bon, ça. Ah, tiramisu coco. Tu sais que ça doit exister, non, ça. Non, non, flan coco parfumé tiramisu. Ah, ça va être pas mal, ça. Mais moi, genre, j'aimerais bien tester, genre, ouais, sinon, ça peut être sympa, non ? Genre, un tiramisu, tu sais, avec les... tu vois, lesquels, le truc, pas Ferrero Rocher, les autres trucs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Nutella ? Non, les trucs au coco, là, comme les Ferrero. Bon, dans les commentaires, les gars, comment ça s'appelle ? Vous savez, les trucs coco, là ? C'est des boules, comme ça, il y a la caisse. Les Raffaello, je crois. Oh, ça, c'est... Elle était que ça pendant quand j'étais petit, je mangeais que ça. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était pas moi qui les achetais. C'est... Ouais. Oh, ce qui s'est passé? What? C'était pas moi qui les achetais, c'est la voisine de ma mère qui les achetait parce que c'était cher quoi, tu vois, les Raffaello. Ça coûte cher, c'est comme les Ferrero Rocher. Du coup, j'étais petit, j'en achetais très rarement. Et du coup, vu que la voisine, elle pouvait. C'était une célibataire et tout, donc tu vois, elle n'avait pas d'enfant, rien, donc elle pouvait se permettre de nous payer. Et du coup, elle nous payait et c'était pas mal. C'était très bon. Mais très gentille voisine d'ailleurs, au passage. Elle me mettait bien tout le temps, elle m'a remis des gros packs de chocolat et tout. Et ça fait plaisir parce que c'est Noël en ce moment. Donc, du coup, je sais que là en ce moment, vous êtes tous en train de sceller les chocolats et tout. Bon, en tout cas, les gars, eh bien, on va se retrouver pour tout simplement la dernière course. Let's go. Let's go. Et du coup, les gars, on est parti pour la dernière course. Alors, tu vas être un peu surpris, la salle, de cette course, parce que c'est une course qui date des années Rick and Barrens in the West. C'est une course qui date de 2016, je crois. Et du coup, je voulais me la taper, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi des courses de l'époque en 2020, tu vois. Et tout à du fait. Coup, c'est une course automatique apparemment, mais de 2016. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'on l'a déjà fait, mais je crois que ça me dit rien. Ça me dit rien pour l'instant, à part si j'ai la mémoire courte, parce que ça date quand même de 2016. Hein, mais ça peut. Ouh. Ah oui. Oula. Faut aller où là ? Je crois que c'était le saut. Ah ouais. D'accord. Tu crois que je me fail aussi ? Oh là. Je me suis fail presque. Ok. Ah ouais, mais faut connaître. Faut connaître, effectivement, et preuve qu'on connaît pas, d'ailleurs. Ok, alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Pour l'instant, c'est la course, hein. Je veux dire, c'est des petites balades en forêt, quoi, j'ai envie de dire. J'appelle ça comme ça, moi, la salle. Et hop, on est pas mal, on est bien. Oula. Ah, il nous refait venir aussi, hein. Putain, je comprends rien. Il me fait tourner en rond le truc. Ouais, bah. Ah, c'est... je crois que ça commence. Ah ouais. Ok. On voit le. On a un petit saut. Mais tu sais, de voir juste les anciens éléments, ça fait trop bizarre. Hmm. Pour faire un saut, il fallait 15 éléments. Je te jure. C'est ça, hein. Alors que maintenant, ils ont fait des. Je crois que ça va commencer, hein. Wow. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est bon, je crois, la salle. Attention, ça va commencer.
Waouh. Ah ouais! J'ai pas eu le point! Waouh. T'as eu le point? Non. Ah ouais! Et dire qu'à l'époque c'était une révolution ces courses. Enfin, même si ça marche pas, bah. En fait, je pense qu'il faut. C'est très bizarre quand même. T'as eu. Mais gros, j'irai pas avoir le point. Attends, y a un souci. Waouh. Bon, Waouh, c'était. je me suis éclaté. Ah ouais, c'est. C'est tendu cette course. Hein. C'est pas vraiment une air de race là, hein. Bah là, c'est une R2 Race de 2016, la salle après. Hein, tu vois? Ouais, c'est vrai. J'ai eu le point. Attention. What the fuck? Mais c'est quoi cette course là? J'arrive pas à voir le point, moi. Hein. Tu peux finir hein, au passage. Hein. On a vu un peu à quoi ça ressemblait de toute façon. Air de race de l'époque, ouais, c'est vrai que c'est Mais beau. gros, ça me sort tout seul. C'est censé bloquer, ça me sort, les gars. Pourtant, je suis bien, regardez, je suis bien. Là, je suis bien. Ah. Ah bah voilà. Wow, je touche tous les trucs et tout. Voilà, ça c'était les R2 Race, les gars, de 2016, c'est-à-dire que les toutes premières courses de GTA. Et bah le mec s'est dit, je vais créer une course automatique, et il l'a fait, et franchement. C'est pas mal pour l'époque. Ouais, franchement, c'est stylé. Bon, après, est-ce que je vais réussir à finir et pas finir en classé? Ça, c'est une autre question, là, ça. Est-ce que j'aurai le temps, tu penses? Ouais. Ah ouais, c'est bon, ok. Eh bien, en plus de ça, on finit End the Reno Hills, la salle, pour cette dernière course. Du coup, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Et bah sur ce, la salle, moi, j'ai envie de dire, eh bien, bonne soirée à tous et Mickey Marine, c'est bonne journée. De vrai.